Hey tout le monde, c'est Maïline, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super méga giga bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo va être une vidéo en 2019, faut arrêter. Parce qu'en fait il y a des choses qu'on faisait en 2016, en 2017, en 2018, maintenant on est en 2019. Donc il faut peut-être arrêter les choses qu'on faisait auparavant. Le passé reste le passé. Donc voilà, faut peut-être arrêter les choses qu'on faisait en 2016, en 2017, en 2018 ou quand vous voulez. En 2019 ça change. Non. On change l'orogénéité. Cool. C'est pas comme ça. On change. Voilà. On change. Point barre. Donc, let's go command. En 2019, faut arrêter de dire qui veut faire des flammes. C'est pas du tout original. Déjà, vers 2016, personne ne le disait presque. Et pourquoi en 2019, nous allons le dire? Deuxième, en 2019, faut arrêter en fait de... Je reprends, désolé. En 2019, donc la deuxième, en 2019, faut arrêter de... En fait, de se mettre en bas de pyjama quand on fait des vidéos. Il y en a qui se mettent en bas de pyjama, je veux dire, c'est pas du tout respectable, c'est pas du tout bien au niveau de ta, la majorité de ta, tes abonnés, entre parenthèses, ta communauté. C'est pas du tout bien. C'est pas du tout bien parce qu'en fait, t'es en bas de pyjama et au niveau de ta communauté, ben, tu vas pas te mettre... En pyjama pour tourner une vidéo, c'est affreux, voilà. Troisième, en 2019, faut tout simplement arrêter de faire des playlists. Ça ne devient plus original à la fin. Tu peux en faire deux ou trois, mais tout le temps, non, non, non. Parce que des youtubeuses font tout le temps des playlists parce qu'ils n'ont aucune idée de vidéo. Mais il faut en fait arrêter les playlists. Quatrième, il faut tout simplement arrêter en 2019 de faire des pranks, genre maintenant c'est plus trop, voilà, c'est toujours aussi marrant, c'est toujours aussi bien, mais il faut quand même un peu de réalité, voilà, il faut de la réalité quand même dans tes vidéos, il faut vraiment que tu parles bien, la réalité machin. 5 en 2019, faut arrêter de dire des gros mots sur YouTube, parce qu'en fait, toutes sortes d'âges sont sur YouTube, petit, grand, machin, et ça revient aussi pareil pour les pranks. Donc, c'est pour les pranks, c'est marrant, c'est drôle, machin. Mais voilà, mais je dis pas plus qu'il faut vraiment plus du tout d'en faire. Si, mais très peu maintenant. Mais sinon, revenons de arrêter de dire des mots familiers, des gros mots en fait sur YouTube, des méchancetés, voilà. Genre de dire des gros mots en fait sur les vidéos parce qu'il y a des petits et des grands qui sont sur YouTube, qui regardent des vidéos, peu importe, genre Peppa Pig, mais je sais pas moi, des trucs comme ça. Mais voilà, il faut arrêter de dire des gros mots parce que peut-être un petit va tomber sur la vidéo, mais très, avec beaucoup de gros mots. Et il va tomber sur la vidéo et en fait, il va tomber sur la vidéo mais il y a plein de gros mots, machin, machin. 6 en 2019, il faut arrêter, s'il vous plaît, les fakes. Genre, par exemple, sur Insta. Par exemple, Janelle et Enzo Tétois, comme ils sont connus, machin. Et ben, en gros, il y a des comptes fakes. Et nous, par exemple, on se fait toujours avoir parce que c'est un compte fake. Surtout qu'il dit pas que c'est un compte fan, en fait. Donc, comme c'est un compte fan, un compte fake, comme vous voulez, comme vous le dites. Moi, je dis compte fake, mais voilà. C'est, comme c'est des comptes fakes, des comptes fans, et ben... On se fait toujours avoir, donc en fait, ça te fait des abonnés de plus. Mais surtout que c'est pas du tout la vraie Janelle, le vrai Enzo, la vraie Julie, machin. Sixième, il faut tout simplement arrêter, mais grave, de... Les rageux, voilà. Mais je sais que... Ouais, je dis ça, mais je sais qu'aucun... Je sais qu'il y a des rageux qui vont commenter sur cette vidéo. Mais de toute façon, écoutez, il y a tout le temps des rageux de... Il y a tout le temps des rageux. Après, il nous fait des vues de plus, il nous fait des commentaires, donc voilà, c'est cool, c'est bien. En plus, vous commentez nos vidéos, donc vous nous donnez de l'importance, donc c'est ce qui est bien, parce qu'en fait, pour des youtubeurs, ils réagissent pas du tout comme moi. Moi, je réagis pas du tout, je m'en fous complètement. Mais comme, par exemple, des petits qui sont sur YouTube, vous allez me dire, oui, mais les petits, ils ont rien à faire sur YouTube. Comme, certes, je suis d'accord avec vous, mais ça sera dans le prochain, il faut arrêter. Mais en fait, il faut... Comment dire? Il y a peut-être des petits de 5 ans, j'ai déjà vu une petite de 5 ans sur YouTube, en train de faire tuto maquillage. Surtout qu'elle sait pas se maquiller, surtout que c'est pas du tout son maquillage. Ou peut-être, je sais pas, après je suis pas dans sa vie personnelle, machin. Mais voilà, il faut grave arrêter pour les rageux, genre...
On est obligé d'avoir des rageux sur Snap, sur Insta, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux, même sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux que vous voulez. Mais moins, s'il vous plaît, parce qu'en fait, moi, j'en ai 32 méchants commentaires sur compter sur toutes mes vidéos avec l'application Boneyard. Donc, voilà. Surtout qu'elle a mis un commentaire dans une vidéo que j'avais fait. Parce qu'elle a vu que j'utilisais machin, donc... Voilà, mais voilà, donc s'il vous plaît, arrêtez pour les rageux. En tout cas, merci pour les 45 abonnés. De toute façon, je vous mettrai mes réseaux sociaux au début à l'écran, donc voilà. Bref, 7ème, il faut arrêter les petits qui sont sur YouTube. Donc, YouTube, c'est à partir de 13 ans quand on fait une chaîne YouTube. Par contre, c'est pas destiné, ouais, YouTube, c'est à partir de quel âge à quel âge que tu peux aller sur YouTube. Parce que YouTube, c'est à partir de tout âge, petit et grand, mais pour regarder les vidéos et pour respecter machin. Mais par contre, pour faire les vidéos, bah, c'est à partir de 13 ans. J'en ai 10, j'ai pas 13. Donc après, on connaît tous la facilité, comment on fait. Mais voilà, donc comme je vous l'ai dit, j'en ai pas 13, j'en ai 10. Et c'est à partir de 13 ans, apparemment. Donc et oui, c'est quand même à partir de 13 ans. Donc voilà, et les petits, mais vraiment les petits sous de mon âge. Genre les 7 ans, les 8 ans, les 5, les 6 ans... Leurs parents, je ne comprends absolument pas pourquoi ils leur laissent faire des vidéos sur YouTube. Surtout qu'il peut dire, en fait de tout et n'importe quoi. Donc c'est ça le truc en fait. Il peut dire n'importe quoi et en fait il se laisse aller quoi. Mais il dit n'importe quoi. Donc voilà. Après aussi je le dis, certains ne sont pas d'accord avec mes avis que je donne en vidéo, ben c'est votre avis. En tout cas, moi, tout ce que je dis dans cette vidéo, ben, c'est mes avis à moi et non les vôtres. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, ben voilà. Si vous n'êtes pas d'accord, ben tant pis. Parce qu'en fait, c'est mon avis que je donne en vidéo, que je fais partager sur YouTube. Et c'est pas votre avis qui... Bref, voilà, tu m'as compris. 8, il faut arrêter que ça revient toujours avec les petites machins. Alors, comme je vous l'ai dit, j'arrive. Voilà, ça revient pas du tout aux petites. Donc, 8. Donc, voilà, j'en étais rendue au 8. Donc, 8, il faut arrêter, en fait, dans les commentaires de parler, en fait... Les commentaires, c'est fait pour donner soit son avis ou soit de la contre-avis, je sais pas comment on dit, pour donner son avis en vidéo ou pour mettre des bons commentaires, bref. Hein. Parce que par exemple, moi, ça m'a jamais arrivé et j'espère pas que ça va m'arriver en commentaire. Voilà, en gros, c'est que mes abonnés parlent avec des... Pas... En fait, c'est que les abonnés... Genre, je sais pas si vous allez comprendre. En fait... comment dire ? Genre de dire, par exemple, à mes abonnés, ils ont marqué un commentaire, ouais, j'adore tes vidéos, je m'abonne, voilà, merci. Mais par contre, pas du tout une abonnée vient dire, ouais, tu peux t'abonner à moi, s'il te plaît, ou des trucs comme ça, mais voilà. Genre, ça se fait beaucoup en ce moment. Mais ça, c'est pas mon avis, hein, mais en 2019, faut arrêter de dire, ouais, tu peux t'abonner à moi, machin. Surtout si t'es pas abonné à la personne de la youtubeuse qui commente, ou de la youtubeuse qui commente, ou de mon... La youtubeuse qui fait la vidéo, qui va commenter l'autre youtubeuse. Voilà. Sur tout ça, quoi. Mais genre, par exemple, j'ai une personne là qui trimballe sur YouTube. Qui trimballe, ok, super. Une personne qui passe sur YouTube, genre, elle est sur YouTube, machin, elle regarde ma vidéo. Par exemple, elle dit, parce que si vous mettez sur YouTube, présentation de mes cadeaux de Noël, j'arrive en tout premier. Merci pour les 1,4K, voilà, donc ça veut dire 1004 quelque chose, bien sûr. Mais voilà, bref, j'arrive en tout première parce que c'est la vidéo la plus récente. Bref, et en gros, ce que je voulais vous dire, c'est que... excusez-moi, que en fait, il faut pas, c'est pas très bien, genre, de faire passer une pub à soi-même, voilà. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. En tout cas, gros kiff, je vous fais d'énormes bisous, dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit, il y aura pas, je vous l'ai même pas dit, dans cette vidéo, il y aura pas de montage, voilà, bref. Gros kiss, gros bisous à vous, prenez soin de vous, et je vous adore, comme je vous dis, bah, likez, commentez, partagez et abonnez-vous.
Allez, même chose sur mes réseaux sociaux. Donc, mon Snap, c'est Myline. Myline, voilà, vous tapez Myline avec, il y a un smiley, Snapchat, cœur, les petits trucs jaunes là, avec des étoiles et une bague. Elle me suit sur mon TikTok, c'est MylineLove06. Puis elle me suit sur mon Instagram, c'est myline.off. Kiss!